Johan, sens-tu, mais c'est le drapeau. Ouais, c'est beau, fait. Ouais. Ah, ils ont en bas les cartes, hein, ils sont pas tout seuls. Hein. Ah, là. Allez, go! Antoine!
Allez mon grand, allez accroche. Allez Pierre. Allez Léonard. Et attention à nos amis cyclistes qui sont présents, on va les suivre. Attention, est-ce que c'est d'ores et déjà un groupe de coureurs distancés? Est-ce que c'est le sprint d'arrivée? Attention s'il vous plaît dans quelques instants avec le passage ici sur cette ligne d'arrivée avec le coureur du BC Étampes qui vont s'imposer. Est-ce que ça va être le doublé du côté du BC Étampes avec un petit meilleur sur la ligne? Allez Antoine, c'est bien maman. Allez, allez. On en parlait, les frères Guérinel donc qui sont allés s'imposer. Est-ce que c'est le coureur du pack? Est-ce que c'est le coureur du BC Étampes? On a vu que c'était très serré, c'est semble-t-il confirmé du côté de Guérinel Manu, mais on va attendre la décision des arbitres. On a vu également l'épaule contre épaule avec Maximilien Andréo, donc le coureur du pack 95 qui avait brillé la semaine dernière, le passage des coureurs de la Vétier, donc qui était en échappée tout à l'heure, mais semble-t-il que c'est le sprinter, donc vainqueur du côté du circuit de Rungis, c'était il y a un mois. Donc le coureur qui nous vient donc du BC Étampes avec son frère Mathis Manu semble-t-il qui s'impose hein, mais d'un cheveu face à Maximilien Andréo. On a vu également la formation d'Argenteuil à la troisième place avec ses coureurs. Attention messieurs dans ce final ici, ligne d'arrivée avec quelle finale. Maximilien Andréo donc qui a fait parler son expérience, mais il lui a manqué trois fois rien pour aller s'imposer sur cette épreuve du Tour des Yvelines. Il va terminer à la deuxième place. La victoire donc pour Guérinel, déjà vainqueur sur cette épreuve. Donc les coureurs présents dans le peloton, Manu Guérinel donc.